Time shall we begin? Yeah. Let's wait one or two minutes, please. Yes. All right, shall we begin? Maybe I can put the first slide since it is the title. No, let's. Okay. תוריד את השקופית ובוא נתחיל. Ok, bonne soirée, bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment un très grand plaisir que vous êtes parmi nous et ce soir. Merci beaucoup, Dr Nicole Cohen-Addad et Galia, pour cette invitation et pour être parmi nous. Le Centre de documentation sur les Juifs d'Afrique du Nord pendant la Deuxième Guerre mondiale a été fondé il y a 15 ans et à l'Institut Ben Tzvi de Jérusalem. Et nous avons le but d'essayer d'avancer les recherches sur les Juifs d'Afrique du Nord pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je sais que cette question en Israël et ailleurs, ça veut dire en France et même aux États-Unis, même en Angleterre, est devenue une question très intéressante au public et aux chercheurs. Et la grande quantité de documentation qui est accessible maintenant nous donne beaucoup de nouvelles opportunités de comprendre le sujet de la Deuxième Guerre mondiale en Afrique du Nord, et notamment la question de l'opération Torch, de laquelle Nicole parlera ce soir et plus tard. Donc, je crois que même en Israël, nous avons créé récemment, Nicole, Ariel, moi et d'autres compagnons et camarades, on a créé une association de 8 novembre 1942 pour essayer d'avancer les recherches sur le sujet et de voir comment aider le public de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale au l'Afrique du Nord. Nous espérons que vous allez être avec nous, même dans les prochains événements que nous allons faire en anglais, en français et en hébreu. Ça, c'est une activité vraiment très intéressante et c'est très important que nous soyons tous ensemble. Donc, je laisse la parole. Nous avons 1h30. Je laisse la parole à Nicole et à Galia. Et après 1 heure de lecture, on aura même des questions. Vous pourrez même donner votre question sur le chat, et en bas, en vert, et c'est écrit chat. Et sinon, on aura la possibilité même d'essayer de donner les questions par le Zoom. OK, alors Nicole, merci beaucoup pour toutes tes activités en France et ailleurs. Merci Haïm. Alors, je vais commencer. Je voudrais simplement dire comment ça va être structuré. Je vais parler de 3 choses moi-même. Après, ce sera Galia. Et après, je reviendrai pour parler sur mon voyage en Algérie. Ce sera plus ses impressions personnelles. Et donc, ça, ce sera s'il nous reste du temps et on le fera plus rapidement. Donc, je vais commencer tout de suite. Le titre, c'est les actualités sur l'opération Torch et sur l'Algérie. Je vais faire un petit rappel historique. Alors, je vais commencer par les âges des personnes, des personnages, parce que c'est important, vous allez voir plus tard. Donc, on a, j'ai mis plusieurs personnes, j'ai mis leur âge en 1942. Donc, Roosevelt a 60 ans. Van Hecke, qui est le... et donc, je vais vous introduire les autres. Bon, Franklin Roosevelt, je n'ai pas besoin de l'introduire. Mais Van Hecke, c'était... Alphonse Van Hecke, c'était le chef des chantiers de jeunesse en Afrique du Nord. Et donc, il était commandité par Vichy de s'occuper de jeunes et de leur faire une instruction paramilitaire, en fait, voilà. Ensuite, Robert Murphy, donc c'est l'envoyé personnel de Roosevelt en Afrique du Nord, et il sera envoyé, il arrive en novembre 40. Et là, vous voyez que Murphy a 48 ans, Van Hecke a 51. Et vous verrez plus tard que Murphy va présenter Van Hecke aux Américains en lui disant oh, « c'est un jeune », alors qu'il est plus vieux que lui déjà. Ensuite, le Maigre du Breuil, Jacques Le Maigre du Breuil, pareil, le même âge que Murphy, c'est un industriel qui est le gendre des huiles Lesieur et qui va être, on va voir un petit peu plus tard, enfin, pour ceux qui le savent, parce qu'en fait, je ne parle pas de l'opération Torche vraiment, pour ceux qui le savent pas, c'est quelqu'un qui a... Donc, ce qui s'est passé, c'est que les huiles Le Sieur, ils avaient une compagnie à Dunkerque, une usine. Et évidemment, comme c'était au nord de la France, elle a dû être fermée. Et il a essayé de faire, de penser à imaginer, à faire son industrie à Dakar, en tout cas, ou peut-être en Afrique du Nord, et donc il faisait des prospections. Et en même temps, comme c'était un personnage important, et qu'il était très proche de Vichy, il avait des laissez-passer pour aller partout, donc il pouvait se déplacer très facilement. Et à l'époque, pendant la guerre, c'était quelque chose de très, très important. Henri d'Astier de la Vigerie, 45 ans, alors lui, c'est un royaliste, c'est un type qui a déjà commencé sa résistance dès l'armistice, en 40, il a fait de la résistance, il s'est déjà évadé, fait prisonnier, évadé, et est arrivé en Algérie. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà quelque chose derrière lui au niveau de la résistance. Tarbé de Saint-Ardouin, c'est un diplomate qui s'est mis en disponibilité, et donc qui s'est retrouvé à Alger, et qui va aider dans ces mouvements de résistance. Roger Carcassonne, à 31 ans, il est déjà un industriel et il est un industriel qui est bien, enfin assez riche et qui va s'occuper donc de la section d'Oran, en fait, de la résistance à Oran. Et c'est aussi lui qui va financer une certaine partie de la résistance du 8 novembre 1942. Et il va aussi donner du soutien financier à Henri d'Astier, qui se retrouvera de Oran après à Alger, et donc financer au niveau personnel. José Aboulker, 22 ans, qui est un étudiant en médecine, et qui va, à la fin, être en charge de la section d'Alger. Mais par défaut, parce qu'en fait, à la fin, on avait dit qu'il y aurait un militaire parce qu'on voulait mettre des militaires à chaque fois en charge, et ce militaire a eu peur à la fin et n'est pas venu. Voilà, donc c'est José Aboulker qui, par défaut, est devenu le chef de la résistance à Alger. Alors, voilà donc, à gauche, vous voyez la Western Task Force, c'est-à-dire ils viennent des États-Unis, ce sont des jeunes soldats, 18 ans, ils n'ont jamais fait la guerre, c'est leur premier truc en bateau, très loin, il y a plein de choses qu'ils ne savent pas encore, enfin voilà, donc ça c'est cela. Ensuite, vous avez une autre flèche qui, elle, vient du haut, c'est-à-dire de Grande-Bretagne, alors de Grande-Bretagne et d'Écosse aussi, où il y avait des formations, on faisait des formations de gens qui venaient d'un peu partout d'Europe et qui conformaient. Mais d'abord, avant de les former, on les screenait, c'est-à-dire on s'assurait que ce n'était pas des espions, enfin voilà. Et alors, donc, il y a de Grande-Bretagne, viennent une partie des Américains qui étaient venus en Grande-Bretagne, et c'est surtout des Britanniques qui viennent là. Et donc, ils vont aller à Oran et à Alger. Si bien qu'à Alger, quand ils débarquent à Alger, les gens qui viennent là pour les recueillir, pour les accueillir, et qui connaissent bien l'anglais, se rendent bien compte que leur accent est british et pas américain. Alors, on continue. Alors, résultat des opérations au niveau des morts. Côté français, il y a eu 1346 morts et 1997 blessés. Au côté allié, 479 morts, soit 720 blessés. Et ça, c'est sur 3 jours, parce que bien que le cessez-le-feu soit à Alger à la fin de la journée du 8 novembre, ils ont continué les batailles jusqu'au 10 à Oran et jusqu'au 11 au Maroc. Au Maroc, Noguès n'a rien voulu savoir, donc il a continué. Il y a eu des batailles navales, et ce n'était que pratiquement que ça d'ailleurs. Et il y a eu 75 navires détruits. Et vous, pour faire la comparaison, quand ils ont détruit leurs propres bâtiments à Toulon plus tard, c'était 90. Donc il y en a eu 75 en Afrique du Nord, 90 à Toulon. Donc il y avait une énorme partie des navires de guerre qui étaient en Afrique du Nord. Okay, voilà, on continue. Ensuite, une fois que, ça s'est passé, au mois de novembre, au printemps de 1943, les résistants qui avaient participé se sont réunis, ont créé une association qui s'appelait l'Association de la Libération française du 8 novembre 1942, qui a perduré jusqu'en 2012. Et dont j'ai extrait des informations, une partie, c'est du fonds de mon père qui a été déposé, que j'ai déposé au CNRS. Voilà. Et je remercie pour le partage d'archives aussi Luc Rudolph et Jean Monneray, parce que, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'en parlant, donc Luc Rudolph est membre de notre association, il a fait un travail de recherche sur les policiers, et là, il fait un travail de recherche sur les policiers à Alger, et de temps à autre, il va faire ses propres recherches au service historique de la défense, et il fait en même temps, il trouve des choses pour moi, il me les envoie, donc merci. Et pareil, Jean Monneray a fait la même chose, donc il va au service historique de la défense ou ailleurs, il trouve des choses pour moi et il me les envoie, donc merci à eux aussi. Et c'est grâce à Luc Rudolph qu'on a découvert des archives qui n'étaient pas des informations, qui n'étaient pas dans le fond de mon père, une partie qui n'était pas dans le fond de mon père et qui était absolument capitale et qui ont été trouvées bien après. Donc, hein. Alors, donc, que font ces gens qui se sont réunis en association? D'abord, ils n'ont pas pris n'importe qui, il fallait être coopté, il fallait qu'il y ait deux personnes qui disent « oui, je l'ai vu, moi, il a fait ci, il a fait ça », et il fallait que le général Jousse mette son tampon et dise « ok ». Voilà. Ensuite, ils font plusieurs choses. Ils commencent en 1945. Ils font un projet de demande de reconnaissance collective. Je vais vous parler de ça très rapidement. Ensuite, en 1946, il y a le questionnaire qui est rempli pour Henri d'Astier, dont je vais vous parler. En 1948, il y a des lettres de Jousse pour tergiverser avec le gouvernement français pour essayer de faire reconnaître ces résistants. En 1949, il y a deux projets de décret de ces résistants pour essayer de voir si on peut avancer les choses. En 1952, Henri d'Astier meurt. Et en 1953 et en 1958, il y a deux personnes qui essayent de réouvrir le dossier. Et je vous parlerai de ça rapidement. Okay, et après, je vous dirai... voilà, je vous dirai ça pour le moment. Et après, voilà. Alors, vous voyez ici, proposition de citation collective en faveur du groupe de volontaires de la ville d'Alger. Donc, il demande une citation collective. OK. Et là, c'est... alors, comme j'ai... Attendez, je vais bouger un petit peu la photo de là pour qu'on voit... Voilà, on voit en 45. Alors, je replay. Voilà. Alors, donc... Non, ça ne va pas aller. Bon. Alors, vous me croyez, en 1945, il y a le secrétaire général de l'association qui envoie une lettre au président du Conseil national de la résistance. Et voilà, donc ça, c'est déjà un effort. Ensuite, le questionnaire. Alors, le questionnaire, c'est un questionnaire que la Commission nationale d'homologation envoie pour les gens qui veulent, qui disent, moi, j'ai fait un réseau et on leur fait remplir des questions. Et donc, ce questionnaire... c'est pour le réseau Henri d'Astier de la Vigerie, et c'est en 1946. Donc, voilà, on leur pose des questions, recherche de renseignements, etc. Hein. Le réseau d'Astier a eu pour mission de faire ci, de faire ci, de faire ça. Et voilà un truc important qui est écrit dedans. Cette association, en parlant de l'association des résistants, cette association ne doit pas être confondue avec un réseau, car les membres de cette association, élus un an après le débarquement du 8 novembre 1942, c'est pas tout à fait vrai parce que c'était moins d'un an, mais c'est pas grave, ne doivent en aucune façon être identifiés avec ceux qui ont été, avant le débarquement, les chefs effectifs du réseau, et il y a marqué seul réseau, de résistance en Afrique du Nord sous le commandement unique et incontesté d'Henri d'Astier de la Vigerie. Alors d'abord, je dois dire qu'effectivement, José Aboulker a toujours dit que Henri d'Astier était le chef. Okay, mais je continue. Donc on voit que Henri d'Astier là dit non, ces gens-là ne sont, on peut pas faire ça de ça un réseau. Alors, en fait, ce n'est pas D'Astier qui a signé, c'est Jean Quéra pour D'Astier, mais bon, on va penser que D'Astier l'a signé, puisque Jean Quéra était un ami de D'Astier, qu'il a fait partie du réseau que D'Astier a fait. Le réseau d'Astier, il y avait 89 membres, sur lesquels il y avait 14 personnes qui avaient participé au 8 novembre. Voilà. Donc, il n'y avait pas tous les membres, il n'y avait définitivement pas les membres du 8 novembre. Les membres du 8 novembre, c'était à peu près un peu moins de 1000 personnes. Et donc, il n'était pas là. Et effectivement, il a refusé que ces gens soient là. Et on va voir un petit peu après. Donc, maintenant, en 1948, donc, il y a de nouveau la commission d'homologation. Et là, c'est... le général Jousse, ça c'est la commission d'homologation, c'est 14 septembre 1946, et elle dit une sous-commission composée de monsieur un tel, la motion suivante a été adoptée à l'unanimité, et c'est en fait de reconnaître le réseau d'Astier et rien d'autre. Et ils ont dit pour les autres, eh ben, peut-être qu'ils peuvent aller dans telle case ou telle case ou telle case, mais ça n'allait nulle part. Alors, donc, en 1948, il y a Jousse qui, donc le général Jousse, qui avait été, donc, lui, disons, le militaire du 8 novembre, hein, le militaire qui avait aidé le 8 novembre, c'est grâce à lui que tout a pu se passer, qui envoie qui reçoit maintenant une lettre, parce qu'il avait envoyé une lettre au président de la Commission nationale d'homologation, et qui lui dit non, en fait, ce n'est pas, voilà, on ne peut pas homologuer. Et il lui dit en plus, parce que Jousse a dit, mais moi, je ne me souviens pas qu'on avait voté, etc. Mais en fait, bon, c'est marqué que ça avait été voté. Alors, maintenant, que fait-on après? Alors, en 1949, donc Jean Quéra, le fameux Jean Quéra qui avait signé pour Henri d'Astier, bon, fait un projet de décret. Alors, bon, et... il fait un projet de décret, je ne vous montre pas tous les articles, mais il fait un projet. Et général Jousse prend le même projet, mais le change un petit peu, etc. Bon, ces deux projets n'aboutissent à rien du tout, surtout parce que le gouvernement, le ministère des Anciens Combattants, leur envoie un papier en disant « Le 25 mars 49, nous avons une loi ». Et eux, ils ont envoyé leur papier le 29 mars 49. Donc, bon, il y a déjà une loi et cette loi dit ceci, etc. Il faut suivre cette loi. Alors, en gros, les démarches qu'ils ont faites, c'était donc au départ le Conseil national de la résistance. Raphaël Aboulker a proposé d'aller approcher les forces, de faire une homologation avec les forces françaises libres. Ils ont essayé forces françaises intérieures, forces françaises combattantes, résistance intérieure française. Ils ont approché le président du Conseil. Ils ont même pensé, on va faire une demande de reconnaissance nord-africaine spécifique. Et puis à la fin, on leur a même proposé d'être membre de résistants des camps prisonniers, territoires d'outre-mer, territoires étrangers, enfin bref, le panier qui reste au fond du tiroir. Bon. Alors, pour donner une idée de ce qui se passait à ce moment-là, par exemple, à un moment, il y a l'amiral Fénard qui était donc un ami de Darlan, mais aussi qui n'était pas contre le débarquement, mais qui était un ami de Darlan, etc. Et en fait, il a fait une demande apparemment de faire partie du 8 novembre, de faire partie de l'association. Et alors, il y a à la fin là, dans le paragraphe, vous voyez… Jousse qui dit « Mon point de vue est qu'il ne suffit pas d'avoir été un bon Français pour être membre de l'association. » Ça, c'était… voilà, il fallait le dire. Alors, donc, décès d'Henri d'Astier, et maintenant, je vais parler des deux personnes, Jancel et Berdolet. Et là, vous voyez sur notre site internet, voilà, quand on regarde Berdolet, on voit ce monsieur Berdolet qui était donc un des membres de l'association, qui était donc un des résistants, avec numéro d'ordre 355, avec son adresse, etc., sa profession. Et je vais parler de Jancel et de Berdolet. Alors, Jancel, en mars 1953, il est ancien conseiller de l'Union française. Il demande donc qu'il y ait une enquête sur le réseau d'Astier. Une enquête sérieuse serait à entreprendre sur les réseaux d'acier afin de déterminer avec précision ceux qui y ont appartenu en propre, comme il sera utile de préciser son rôle exact. En octobre 1953, il y a un rapport d'enquête. Et alors, le chef de cabinet qui s'appelle l'Allemand, qui répond, qui est le directeur du personnel militaire de l'armée de terre, écrit, ignorant visiblement le décès d'Astier, toutefois, le président convoquera auparavant M. d'Astier pour lui demander de développer ses suggestions. Alors, on est en 1953, d'Astier est mort déjà depuis un an. Bon, voilà, pour dire un petit peu le niveau administratif des choses. Ensuite, en mai 1953, donc, le même l'Allemand qui avait écrit, enfin voilà, estime n'avoir à plus revenir sur le travail qui a été fait. L'attention est appelée sur la rivalité qui existe entre les différentes organisations de résistance en AFN et sur le fait que les débats des commissions d'homologation ont de caractère confidentiel. Alors, la communication à M. Jancel est laissée à l'appréciation du cabinet de la Défense nationale. Donc, on envoie le dossier ailleurs. Alors, pour ce qui est de Berdolet, Berdolet, c'est un membre du réseau d'Oran. OK. Et alors, il demande l'intégration des noms de certains résistants dans le réseau d'Astier. Donc, lui, il essaye une autre façon de faire. Alors, il s'est vu donner une fin de non-recevoir par référence à un arrêté, etc. On lui a suggéré de les faire reconnaître en tant que résistants isolés. Bon, donc, on ne va nulle part. Alors, les motivations d'Henri d'Astier. Pourquoi est-ce qu'Henri d'Astier a écrit ce qu'il a écrit dans le questionnaire? Pourquoi est-ce qu'il a dit que cette association, enfin bref, il a vraiment dénigré les personnes du 8 novembre, alors que c'était ses amis. Alors, j'ai essayé de voir à travers des choses pourquoi. Et il y a deux auteurs, Gabriel Esquer et Henri Chemouille. Gabriel Esquer dit que au moment quand Henri d'Astier, après le débarquement des Alliés, mais pas mal de jours après quand même, rentre dans le gouvernement de Darlan. Il est sous Rigaud, il est en charge de la police et en fait, il a voulu créer un corps franc d'Afrique et sa première idée, c'était d'aller demander aux gens du 8 novembre. Bon, il y avait quand même, surtout Alger, 400 personnes. Donc, il est écrit que dans la même page, que José Aboulker, qu'il n'y a pas eu d'entente entre Henri d'Astier et José Aboulker. Mais il n'est pas écrit plus que ça, donc on ne sait pas sur quoi, mais comme c'est dans la même page, vraiment juste après, on se dit que c'est par rapport à ça, donc on imagine que d'Astier a demandé à José Aboulker, est-ce qu'on pourra voir les types du 8 novembre, parce que lui voulait les avoir d'abord, et que José Aboulker a répondu non, mais on n'a rien dans les livres de José Aboulker qui dit qui parle de ça. Henri Chemouilly, c'est un autre auteur, et là, il écrit, mais en noir sur blanc, que Raphaël Aboulker a dit aux Juifs de ne pas aller au corps franc d'Afrique. Donc, il a dit aux Juifs, n'allez pas au corps franc d'Afrique. Maintenant, ça n'a pas empêché les Juifs d'y aller. En plus, il y a Giraud qui avait dit, pas plus d'un cinquième du corps franc d'Afrique ne doit être juif. Bon, et comme je dis, ça n'a pas empêché les Juifs d'aller au corps franc d'Afrique, de se faire enrôler, et en plus, selon certains auteurs, ils étaient au moins plus de 30%. Alors, il y en a un qui a dit 80%, je n'y crois pas, mais au moins 30%, oui, je pense, parce que quand on voyait les noms des gens du corps franc d'Afrique, oui. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé par rapport à ça. Et je pense que Henri d'Astier, vraiment génuinement voulait avoir les gens du 8 novembre, mais que les gens du 8 novembre se sont dit bon, mais lui, il fait partie de la police, il est du gouvernement d'Arlan, et on ne peut pas voir avec ça. Il faut dire aussi qu'à la fin de l'année, quand il y a eu l'assassinat de Darlan, ils sont tous fait récupérer et on les a envoyés à la Guatte. Ensuite, on les a libérés et on a envoyé d'Astier et l'abbé Cordier en prison pour 9 mois. Voilà. Ça, c'était à propos de l'assassinat de Darlan. Mais voilà donc la question. Alors, je voudrais demander à Haïm de me dire quand est-ce que je suis à 15 minutes. Voilà. Et je voudrais parler maintenant de l'opération Torche de Roosevelt et de l'opération Torche Résistance. Alors, opération Torche Roosevelt. Alors, je donne juste les points des dates. En septembre 40, il y a Maxime Weygand qui arrive en Afrique du Nord, donc il est le délégué général en Afrique du Nord, donc le représentant de Vichy en Afrique du Nord. Ensuite, en novembre 40, il y a Robert Murphy qui est envoyé personnellement par, comment il s'appelle, Roosevelt en Afrique du Nord, et donc il arrive en Afrique du Nord en novembre 40. Donc, et vous allez voir que c'est Roosevelt qui, depuis le début, avait bien ça en tête, toute cette chose en tête de faire un débarquement et en Afrique du Nord, pas ailleurs. Voilà. Alors, ensuite, en février 41, alors donc Robert Murphy arrive. Alors, avec Maxime Weygand, ils sont tous les deux catholiques, donc il prend cet angle-là, il se retrouve à l'église et ça fait déjà de la communication. Et après, ils en arrivent à parler un peu plus de ceci et de cela et ils font les accords économiques Weygand-Murphy. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Weygand lui dira oui, on a besoin d'argent, enfin on a besoin de sucre, d'essence, de diesel et de graisse, d'huile à graisse, enfin de graisse, voilà. Bon. Alors on voit bien. Alors il dit sinon j'ai peur que les masses berbères et musulmanes se soulèvent, comme si l'essence et tout le reste des choses, à part le sucre, avait un intérêt pour elles. Bon, on voyait très bien que ce n'était pas pour ça, c'était vraiment pour les militaires français. Mais voilà, donc ils font ces accords-là. Mais dans les accords, il y a aussi une chose importante, c'est que Weygand accepte qu'il y ait des vice-consuls qui viennent et qui, pour vérifier que ce que les Américains donnent, reste en Afrique du Nord et ne part pas ailleurs. Ce qui veut dire que ces vice-consuls maintenant sont autorisés à aller dans tous les ports et à vérifier tout ce qu'il y a. Mais en même temps, ça permet à ces vice-consuls de faire la collecte de renseignements, hein, et puis aussi des contacts politiques. Et voilà. Donc, le tour est joué. Donc, en juin 41 est l'arrivée de ces vice-consuls. En novembre 41, rappel de Weygand par Pétain, parce que Weygand était anti-allemand. Les Allemands ont demandé à Pétain que Weygand ne soit plus en Afrique du Nord. Donc, il est rappelé par Pétain et il est mis, non pas en résidence surveillée, mais enfin, il est mis, voilà, il faut qu'il habite là et il ne faut pas qu'il bouge de là. Ensuite, en décembre 41, arrivée du colonel William Eddy. Alors ça, c'est intéressant, c'est un colonel qui est très décoré, et enfin c'est un militaire qui est très décoré, et aussi qui parle le français, l'allemand couramment, et qui se retrouve à Tanger. Et alors à Tanger, en plus il est un agent de l'OSS, c'est-à-dire de l'Organisation des services secret américain, qui est l'ancêtre de la CIA. Donc, c'est d'ailleurs là qu'ils ont commencé à créer, hein, l'OSS a été créé à ce moment-là. Et donc William Eddy, il est un petit peu ce qu'on a vu dans le film Casablanca, c'est-à-dire... c'est plein de... Il y a les Allemands, les Français qui se retrouvent... enfin, Comme à Casablanca, voilà. À Tanger, c'était pareil, puisque Tanger, c'était une ville internationale où tout se passait de la même façon. Et on va voir après ce qu'a fait le colonel Eddy, ça va être très intéressant. Alors, Henri Giraud, alors, ce que... Nicole, encore un quart d'heure, OK, Nicole? J'ai passé un quart d'heure, là? J'ai passé un quart d'heure? Une demi-heure. J'ai déjà passé une demi-heure, c'est pas possible. Oui, donc. Bon, alors je vais aller vite, alors parce que. Bon, alors Henri Giraud, donc, qui était capturé en mai 40, s'évade en avril 42. Et en fait, ce que Roosevelt avait voulu, c'est avoir trouvé donc des contacts locaux qui puissent dire. Voilà, on vous invite à venir. Voilà. Donc, pour les inviter à venir, il fallait trouver quelqu'un. Au début, ils avaient essayé avec Weygand, qui n'avait pas voulu. Même une fois que Weygand est parti, ils ont essayé de le retrouver. Enfin, en France, ils sont allés le voir, toujours pas. Et Giraud a accepté en juin 42. Il y a le mec du Breuil qui va voir Giraud et qui dit « Ok, donc maintenant, ils ont une personne, un général français qui va les inviter, puisqu'il va être entre guillemets en charge du 8 novembre, qui va les inviter à venir débarquer. » Voilà, c'était ça leur point. Alors, donc, ça, c'est une belle photo de Roosevelt. Et alors, la résistance et Roosevelt, je vais parler... Alors, je veux remercier deux chercheurs, Philippe O'Brien et Buchanan, Andrew Buchanan, je n'ai pas mis son prénom, Andrew Buchanan, et qui ont présenté à notre colloque en 2022 et dont je vais présenter une partie de leur recherche. Okay, alors, en fait, Roosevelt et Leahy. Le Roosevelt et Leahy se connaissaient déjà depuis la Première Guerre mondiale, même avant, en 1913. Les États-Unis entrent en guerre en 1917. Roosevelt va là-bas, pour vraiment explorer. Il parle à Clemenceau, donc il est quand même quelqu'un d'assez important, mais il est dans les moyens échelons. Il est impressionné par Clemenceau. Lui, c'est un navaliste, okay, c'est quelqu'un qui est… C'est la marine. Et donc, lui et Leahy, qui est aussi donc, de la marine, puisqu'il est amiral, s'entendent très bien, mais depuis très longtemps. Ils ont partagé leur bureau depuis qu'ils sont… disons, tout petit dans la marine, et donc ils se méconnaissent par cœur. Et donc, Roosevelt ne jurera que par Leahy. Leahy est à la retraite en 1939. Il l'envoie de janvier 1941 à avril 1942 pour être l'ambassadeur des États-Unis à Vichy. Et après 1942, une fois qu'il y a l'aval, donc c'est fini, y a plus de, on coupe les ponts. Alors, donc, je vous ai dit un petit peu. Alors, Leahy, dans la Première Guerre mondiale, lui, il était déjà, il avait un bateau il avait amené plein de soldats et ils avaient amené par Bordeaux. Alors, en fait, Roosevelt et lui ont étudié pendant la Première Guerre mondiale, à la fin, ils ont étudié tous les ports, enfin plein de ports en France, etc. Ils allaient à Brest, à Massouci, etc. Et ils avaient déjà, dans leur esprit de marin, ils avaient déjà tout imaginé à la fin de la Première Guerre mondiale. Okay, alors, Roosevelt, c'est la géopolitique, c'est-à-dire qu'il voyait les choses d'en haut et là, il a commencé à voir que c'était mondial et aussi Buchanan dit que en fait c'est comme s'il voulait, c'était comme s'ils devenaient des impérialistes, hein, les Américains, enfin devenaient, peut-être pas devenaient, mais voilà, étaient. Et en tout cas, une fois que la France avait fait l'armistice, alors qu'avant il s'était dit, dans la Première Guerre, il s'était dit, quand ils ont vu la Première Guerre mondiale, ils ont dit jamais les Français ne feront d'accord de quoi que ce soit avec les Allemands, voilà. Et après, là, ils se sont rendus compte après durant la Deuxième Guerre, enfin quand il y a eu l'armistice, que qu'ils étaient vraiment faibles et que en fait, bon, voilà, ils allaient être une puissance secondaire, etc. Donc, si c'était pas pour De Gaulle, on serait resté certainement une puissance secondaire, en tout cas. Il était surpris par De Gaulle, et voilà. Et aussi, géopolitique, par rapport à ses militaires à lui, il a combattu ses propres chefs d'état-major. Il ne leur parlait pratiquement pas. Il parlait beaucoup plus avec Leahy qu'il ne parlait avec ses chefs d'état-major. Donc, il faisait tout pour le bluff, donc le bluff de Roosevelt. Alors, donc, le 11 juin 1942, le colonel… Attendez, ça, c'est le bluff, oui, avec Eddy. Le colonel Eddy est envoyé par Murphy à Washington. Alors, il dit, il y a 35 000 Français qui sont prêts à mener une action offensive en Algérie et 5 000 autres sont prêts à mener des actions de sabotage au Maroc. Les agents américains en Afrique du Nord ont soigneusement évité tout contact avec les morts. Il rajoute ça. OK. Le bluff continue. Popularité des États-Unis parmi les colons français. Donc, 75 à 80% espèrent une victoire des Alliés. Il continue. Les forces de résistance françaises sont remarquablement efficaces, organisées par Van Hecke et ses collègues, sont prêtes à s'emparer d'Oran et d'autres ports clés. Les forces de débarquement américaines ne rencontreront qu'une résistance symbolique. Et on continue. Une enquête sur l'opinion publique qui est menée en Afrique du Nord française, commandée par Roosevelt lui-même, qui est au départ avec un psychologue social de Princeton. Et je vais aller très vite, voilà. Donc, 90% des colons français d'Afrique du Nord, ils disent qu'étaient favorables à une victoire des Alliés. 80% pensaient que les États-Unis n'avaient pas d'intérêt impérialiste dans la région et 70% accueilleraient favorablement un débarquement allié s'il était mené par des Américains et excluait De Gaulle. Alors tout ça, c'est sur le Psychological Warfare Bureau qui, en Algérie, en Afrique du Nord, a organisé, entre guillemets, cette étude et ils ont 142 entretiens, entre guillemets, utilisables. Bon, voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on sait très bien que ça, c'était… qu'il y a vraiment on a tordu les informations, etc. Mais, en fait, ce qui est intéressant que dit Buchanan, c'est que ce qui était important, c'est que Roosevelt, lui, c'était la géopolitique. C'est-à-dire qu'on va aller au-dessus. On va… Finalement… Les résultats scientifiques, ils sont là pour corroborer ce que Roosevelt voulait. Voilà. Mais c'est ça la géopolitique, c'est ça le… voilà. Alors, les assurances de Murphy données en personne par le très décoré charismatique ont permis de balayer les craintes non déraisonnables du chef de l'état-major. Voilà. Donc ça, c'était pour cette partie-là. Je vais laisser la parole à Galia. Et je la laisse, j'arrête mon stop share screening et je lui donne le… Galia, tu Merci peux beaucoup, Nicole. Merci et beaucoup, Nicole. Je ferai l'Algérie après s'il y a un peu de temps. Exactement, voilà. Exactement. Merci. Alors, vas-y, Galia. Galia, the floor is yours. OK. Galia va parler en anglais et Nicole va traduire en français. Oui. Oui, but… The new share. Okay. Okay. I can't see anybody. Is that right? Okay. It's okay. That's okay. Oh, no. Why is it stopped? It's okay. But it's the screen sharing stopped. Why is that? I don't know. We'll try again. And here. Okay. All right. So I can't see you, but you can see me. Thank you. I'm very happy to be here. I'm honored to be here this evening with you and especially excited to share the story of my father and his experiences in World War II. And I'm very sorry that I can't do this in French. Okay. So in order… Donc, une seconde, je veux juste dire que Galia est très honorée de présenter ce soir sur son père et elle regrette qu'elle ne puisse pas parler en français. Okay. Okay. And also not used to talking and having to stop and or yeah, not being able to, but okay. So in order to, paragraph. Yeah, okay. In order to be able to appreciate the significance of my story, I just wanted to say a little bit about my father's background and myself. I was born in Los Angeles and later we moved to Palm Springs. I then went to UCLA and right after that, I moved to Israel. So ancestry here is very popular. And I think being in Israel with so many immigrants from so many places that it makes it even more fascinating and essential part of our lives. So my father, his family. Galia, one second. Okay. So, okay. Je veux juste dire que son père est né à Los Angeles. C'est bien ça? Non, Annie. Non. I was born. Okay. Je suis née à Los Angeles et plus tard, ma famille est allée à Palm Beach. Et je suis allée en Israël en 1970, après graduating d'UCLA, de Los Angeles, de l'Université de Los Angeles. Et la génétique est un sujet populaire partout et très importante pour moi. Et voilà, je te laisse. I'll let you do the other part. Yeah. Go ahead. Okay. So my father's family came to America in the early 1900s. They didn't stay from the Ukraine. They did not stay in New York like most of the immigrants. They went to the Midwest. They went to Omaha, Nebraska. And that's where my father was born in 1912. Then the family moved to an even smaller town called Manhattan, but Manhattan, Kansas, not Manhattan, New York. They were the only Jewish family there until they were joined by my father's uncle a few years later. They were Jews, okay? Yeah, one second. So, yeah. Donc, la famille de mon père est venue en Amérique au début des années 1900, à partir de ce qui est maintenant l'Ukraine. Et ils se sont pas installés où la majorité des Juifs étaient, mais ils sont allés dans le Midwest, à Omaha, dans le Nebraska, où mon père est né en 1912. Peu après, ils sont allés dans une ville encore plus petite qui s'appelait Manhattan, dans le Kansas. Et ils étaient la seule famille juive là-bas, jusqu'à ce que l'oncle de mon père les rejoigne plus tard aux États-Unis. Okay. So they were Jews, but they were far from synagogues, and somehow they managed to maintain a Jewish life. I'm sure they didn't have a kosher home. I don't know if my father had a bar mitzvah, but somehow they stayed Jewish. So when the United States joined the war in 1941, my father had just turned 29, a bit old. Well, he and my mother had been dating. So because of the war, he proposed and then he enlisted, he volunteered because they didn't take him yet. And he was sent to the Army Air Force. His job was loading bombs onto the massive flying fortress, the B-17 bomber. I even saw one once, went into it. It's huge. There's like 10 people to the crew. I saw that in the Air Museum in Palm Springs. And when I sat in the plane, I tried to imagine him and the bombs and the crew and the missions. It's emotional. He served 3 years, 1 month, and 14 days overseas. When he returned to America, he married my mother the following month in October 1945. Okay, my turn. Okay. Donc, ils étaient des Juifs qui étaient loin des synagogues, tout ça, et en fait, ils maintenaient les rites juifs peut-être pas si bien que ça. Ils pensent que la maison n'était pas cachère et qu'ils ne maintenaient pas une maison cachère. Et elle n'est même pas sûre que son père a eu une bar mitzvah. Quand il a joint les États-Unis, quand les États-Unis ont joint la guerre, sont entrés en guerre en décembre 1941, son père avait 29 ans. Et en fait, il s'est enlisté dans la guerre volontairement. Alors, juste avant ça, il dévoyait déjà ce qui était sa mère, qui est devenue sa mère après, mais il a décidé de se fiancer juste avant de partir. Et en même temps, après, donc, il va dans la guerre volontairement et il est envoyé dans l'armée de l'air. Et là, son boulot était de charger des bombes dans les bombardiers B-17, qui étaient d'énormes forteresses volantes. Et elle en a même vu une au musée de l'air à Palm Springs. Elle est allée à l'intérieur, elle a commencé un petit peu à réfléchir à ce que a dû être la situation pour son père dans un bombardier pareil, les missions, etc. Il a servi pendant 3 ans, etc., à peu près, un peu plus de 3 ans. Il est retourné aux États-Unis, s'est marié avec donc sa mère, ce qui est devenu sa mère, le mois suivant, en octobre 1945. Go ahead. Okay, all this I knew growing up. It's what I didn't know. Galia, it's Sandra. Yeah. We see the first. Yeah, great. Okay, it's okay. Yeah. Good, ready. Okay, right. I meant to do that when you got to the army. Okay, so all of this I knew growing up. It's what I didn't know that was so interesting. As in so many cases, when people return from war, they don't talk about what they saw there. And my father was one of these people. And my brother and I only discovered these letters that he wrote home during the years that he was abroad and also in training in America. We only found these in 1990. No, my father died in 1994. We only found these letters maybe 5, 6, 7 years ago. Not only did we find letters, but we found medals and ribbons for his service in North Africa, Sicily, Rhineland, among other places. He also received the Croix de Guerre avec Palme. He received the Bronze Star. In fact, he received 8 Bronze Stars. They are awarded for heroic or meritorious achievement in a combat zone. About 3% of soldiers in World War II received them. And we knew nothing about this when he was alive. I'm going to talk about that, but you also have the photos. Oh, sorry, you're right. No, but here. The photos, you found them later, right? The photos also, you found them later, or you had them before? No, the photos we had. No, we didn't. We have found a box full of photos and the medals and pictures from the bombardments and all his movies. Okay. Donc, de tout ça, elle n'a jamais rien su, son père n'a jamais rien dit, comme c'est la plupart du temps le cas des autres personnes qui reviennent de la guerre. Son frère et elle ont découvert cela, ils ont découvert à la fois les lettres, les décorations, les médailles, les photos. Alors, il est mort en 1994, ils ont découvert ça il n'y a qu'à peu près 5 ans, donc bien longtemps après même sa mort. Et ils ont découvert donc ces médailles et tous les décorations en ruban aussi. Et surtout, alors pour son service en Afrique du Nord, en Sicile et ailleurs. Et il a reçu la Croix de Guerre avec Palme, il a reçu la Bronze Star, et qui est donnée que dans des situations très spéciales d'héroïsme et de mérite en combat de zone. Et il a reçu 8 médailles de ce genre-là, et elle a... découvert qu'en fait, seulement 3% des soldats de la Deuxième Guerre mondiale recevaient ça, ont reçu ça. Donc, en fait, c'était vraiment quelque chose d'important qu'il a reçu. OK. Yeah, go ahead. This is the history of the bombardment, the 301st bombardment. Okay. You're gonna see it. Okay. So what stood out most for me in one particular letter was about the Pesach Seder. He and two buddies from the army had in Constantine in Algeria. Now, I didn't know immediately that that's where it was. I didn't even know it was in Algeria, just North Africa. He wrote in the letter that they were not allowed to write where they were. It was a secret. So at the time, it didn't matter. I just really enjoyed reading the story of his Seder somewhere in North Africa and the 2 days that he spent there. I'll go on a little. So here you have my father, an American from the Midwest who never really traveled, a proud Jew without much Jewish practice, but one who observed the holidays and traditional meals in Yiddishkeit. And if his family found a synagogue, it was probably one where men and women sat together. And they were dressed up, wearing their best clothes, suits and dresses, and waiting for matzo ball soup and gefilte fish. So take this man, put him in a Jewish community over 5,000 miles away, and in a synagogue with traditions and customs he'd never been aware of. OK. Je vais le faire assez rapidement pour qu'on ne perde pas trop de temps. Donc, elle a vu cette lettre où il a écrit qu'il était quelque part en Afrique du Nord, mais il ne pouvait pas dire quoi, ou pour des raisons de l'armée, il lui avait, je suppose, interdit. Sinon, la lettre ne serait pas passée. Et puis, voilà cet homme qui racontait un Pessah, c'est-à-dire la Pâque juive, où il s'est retrouvé donc, dans cet endroit-là. Et elle ne sait toujours pas donc, où c'est. Hein. Et mais cet homme-là, qui est donc 5000 miles loin de là où il habite, et qui se retrouve avec une communauté juive complètement différente, des traditions et des coutumes qu'il n'avait jamais, dont il n'était pas du tout au courant. Voilà. Et lui, il était habitué certainement à des traditions différentes du genre yiddish. Voilà. Et donc, Galia. Okay. Did you say that I didn't know where it was? I don't know if you translated that part. Yeah. Okay. Okay. I was looking at it. Okay. Yeah. So the letter. Well, first of all, I wrote about this, about his Passover in North Africa, and it was published in the Jewish Journal of Los Angeles. So, and some of this was coming from that article that I wrote. So, on Pesach Eve in 1943, my father and two Jewish buddies, they put them in trucks, and they took them to this unnamed city in North Africa for their actually 3 days off. And around 6 p.m, they were walking, looking for some synagogue for something. And they stopped somebody and asked him, where's the synagogue? Well, obviously this man was Jewish because I'm sure he could tell. So this man turned out to be the Chazan of one of the town's 14 synagogues in this city of what my father wrote was 35,000 Jews. Okay. So, on les a pris, en fait, on leur a donné un peu, entre guillemets, des vacances, quelques jours pour le CEDER. Et donc, on les a pris avec des camions, on les a amenés sur place. Il y en a d'autres, d'ailleurs, Galia a écrit quelque part ailleurs, qu'on a amené par avion même, et ceux qui étaient plus loin. Et eux, ils arrivent et tout de suite, ils voient quelqu'un qui semble juif et ils lui ont demandé. Et là, c'est là qu'ils sont tombés sur un Chazan et, ils apprennent qu'il y a 14 synagogues, qu'il y a 35 000 juifs dans cette ville. Et ça, c'est important parce qu'il écrit ça, son père. Voilà. Alors, go ahead. Okay, so the Chazan gave us the front seat rows at the service, he wrote, because the Jewish soldiers from this liberating army were heroes, and they created a different kind of a battle there in Constantine. It was the battle who was going to host these soldiers for Leil Seder, for the Seder. So this family, I think was the family of the Chazan, he won and took them. And my father wrote, what he experienced in North Africa was nothing like back home. So I will quote what he wrote. The worshipers were in a variety of dress, one with overalls, some in regular business suits, some in hats and some in yarmulkes, some in wing collars with derbies, and some in native bloomer type pants with the red hats like the Shriners. Regardless of attire, he pointed out, they were all praying hard. They went through things that I had never seen or heard of with the excitement of a crowd at a Nebraska-Minnesota football game. Okay. Alors, en fait, on leur a donné le récit. Ils étaient venus, on les a traités en héros, on les a mis dans les bancs devant, et, enfin vraiment, et puis se sont bagarrés après pour voir qui allait les prendre à la maison. Et cette première nuit de Seder, c'était le Chazan, la famille du Chazan. En fait, c'était un Chazan, il y avait le père qui était Chazan, le fils qui était Chazan, donc qui était étudiant Chazan, enfin voilà. Et alors, ils étaient habillés de différentes façons, un comme ci, l'autre comme ça. Il y en avait un qui était en salopette, il y en avait un qui était en business suit, enfin en costume de business normal, d'autres avec des chapeaux, d'autres avec des kippas, d'autres avec des nœuds papillons et d'autres encore avec des espèces de pantalons larges, quoi. Donc en fait c'est sarouel, avec des chapeaux rouges sur la tête, et il dit de type Shriners. Alors si on a le temps plus tard, je raconterai cette histoire, pour l'instant on le laisse comme ça. Il est évident que les Red Hats c'était les Sheshia. Alors de toute façon, ils priaient tous beaucoup, et ils ont fait des choses que je n'ai jamais vues, que je n'ai jamais entendues, et la foule était tellement excitée que ça ressemblait à un jeu de football, mais pas le football français, football américain, Nebraska, Minnesota, voilà. Voilà. Okay. You said about the family of the Chazanim, right? So you said the family. Yes. Yeah, exactly. Yeah. So it was a family of Chazanim, the grandfather, the father, brother, his son. He wrote, "What a gathering at the house! I still don't know where one family ended and the other began. Dozens of aunts, uncles, and children welcomed them into the home, so different from their own, yet here was a Seder just like back home, almost." So he described us. The table was about a foot above the level of the floor. We were told to take off our shoes. They had their shoes and stockings off. We sat on the floor around the table. Continue or do... No, I am doing that part, one second. So, donc, ils vont dans la famille du Chazan. Donc, j'avais dit que ils étaient Chazan de père en fils, quelque chose comme ça, et voilà. Et donc, ils vont dans la famille. Elle dit qu'il y a tellement de gens dans cette famille, on ne sait pas où la famille finit et où le reste commence. Et il y avait des douzaines de tantes, donc d'enfants qui leur souhaitaient la bienvenue, et que c'était tellement différent de... c'est tellement différent de from their own, c'est-à-dire de ce que lui avait vécu, et en même temps c'était un peu la même chose, presque. Alors la table était un pied au-dessous, c'est-à-dire à peu près, je me semble bien, c'est un pied, c'est 30 cm au-dessous du niveau du parterre. Et on devait enlever ses chaussures, eux ils enlevaient leurs chaussures et leurs chaussettes, et on s'asseyait sur le parterre autour de la table. Okay. The grandfather was the leader of the Seder. Galia, we have five minutes more, please. Oh. Okay. Oh. I'm sorry. Oh. 5, 6 minutes we have to. Because Galia, just do it. Okay, just do it freely, and I will translate at the end. Just, I mean, you might not be able to read the whole thing, so read just some part of your thing, and I will just translate afterwards. Okay. So I want he described the Seder, and how different it was, and how exciting it was. Yet it was so different, but still, they had. He said they had the piece of chicken, celery, lettuce, matzah, the large Seder plate, and some traditions they didn't understand, which they did find later. But he said the biggest treat for the soldiers was the chance to sleep in real soft beds for the first time in over 5 months since Operation Torch. And no less a luxury was the tray of coffee brought to their beds in the morning. So, Namshir? Yeah, continue until the end. Okay. Until the end, okay. But you won't have time, Galia, you will not have time to read until the end. You need to Just no, I'm skipping. It. I'm skipping. Yeah. Okay. Go ahead. So, okay. So I will summarize. We'll skip more of what they did there. And it was just fascinating to see how people were and how they were received there in this North African town. And so a few years ago, I really got curious. I wanted to know what this town was, where they were, what I wanted to figure out how I could do this. So I thought that it might be Tunisia because I knew he had been there. And my son-in-law is from Tunisia. His family was there during the war, and they came in 1948. And I thought that would be really cool if he had been there, maybe one of his family. So I discovered my father was with the Army Air Force 301 Bomber Group, and I started looking them up, and I found this declassified information here with all the information I needed. And all I had to do was compare my father's letters to what was written on this paper here. So I contacted, let's see, I discovered that this particular, according to what I see in this paper here, that year, at that time, they were in Algeria, but what city? So I contacted the, well, it was then the Diaspora Museum, the name has changed now, it doesn't matter. And they put me in touch with a man named Benjamin Meir Khalifa, who was a descendant of Constantine Jews. And with him and with the museum, we discovered that it had to be, the only place it could be was Constantine. So that was really exciting to find out exactly where he had been. Let's see, we'll skip to here. So I wanted to find the families. How do I find the families? Well, he tried to help me, Benjamin. He put it on his website of the Jews of Constantine. And I wrote a thank you letter from the daughter of a soldier to the children, to the descendants of the Jews of Constantine, hoping that maybe somehow we would find the family. There were a few families who thought that it could be them, but since we had descriptions of people, that didn't work. I'm still hoping to find it. But to summarize, even more rewarding than finding that lost community was the feeling of belonging and oneness that my father's letter gave me of how amazing we are as a people. The bond among the Jewish people unites us, meaning that an Ashkenazi Jew who was raised in the Midwest in a small town with little formal Jewish education and an observant Sephardic family in the desert of North Africa, how despite their cultural differences, we find that our Jewish roots unite us all as one people and unites us in a family. How could my father have even imagined that his granddaughter, remember my father wasn't even married yet, that his granddaughter would marry a Tunisian Jew whose family had been in Tunisia when he was there with the US Army. We've come full circle, but I still hope to find the family. So thank you for listening. Merci. OK. Donc, sa recherche, après, elle a fait des recherches en Israël, au musée de, je ne me souviens plus de quel musée, mais enfin bref, elle a fait des recherches en Israël et puis après elle a fait des recherches avec les personnes qui venaient, l'association des gens qui venaient de Constantine et leurs descendants et qui ont mis sur leur site l'information. Bon, pour l'instant, elle n'a pas trouvé la famille, elle n'a pas retrouvé la famille. Moi, je lui ai dit qu'il faut encore chercher, qu'on va pouvoir le trouver à un moment ou à un autre. Il faut simplement continuer à parler de ça et qu'à un moment ou à un autre, on va la retrouver. Enfin, ça, c'est moi qui le dis. Mais ce qu'elle dit, c'est que en fait, la boucle est bouclée quelque part, puisque il y a eu beaucoup de... cette recherche lui a apporté beaucoup, voilà. En même temps qu'on n'a pas tous les résultats, mais ça lui a apporté beaucoup. Voilà. Galia, is that not so? I try to summarize quickly. It's fine. Thank you. Thank you very much, Galia. It was very interesting. Oh, I forgot to say. One thing, Haïm. Son père n'a pas participé à l'opération Torche. Il est venu, il est retrouvé en Algérie en décembre 1942, après l'opération Torche, et après il est allé en Tunisie. Mais lui, ils étaient en train de bombarder avant, en France, avant d'arriver là-bas. Voilà. Thank you, Galia. I hope that you will have some more stories like this. That are very, very interesting stories. We have a lot of stories about the encounter between the Jewish brigade from Eretz Israel and the Libyan Jews. It's very interesting encounter. Ce que je dis, c'est que nous avons vraiment beaucoup d'interviews que nous avons fait avec des soldats de la brigade juive d'Eretz Israël, avec les juifs de Libye, ce qui est très, très intéressant, un peu avec les juifs de Tunisie, mais le sujet d'avoir les histoires personnelles des soldats juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale en Afrique du Nord nous intéresse beaucoup. Donc je crois, Nicole, maintenant nous avons à peu près encore 20-22 minutes. Peut-être on va laisser le public poser des questions. Et plus tard, on aura le temps, j'espère, pour finir avec les impressions de l'Algérie. Et aussi, Galia, s'il y a des gens qui ont des questions pour Galia aussi. Hein. Bien sûr, bien sûr. Voilà, voilà. OK, Francis Attali, j'ai vu que vous avez une question. Sandra Tiftekhili, Francis. Une minute. Oui. Alors, c'est bon. Voilà, c'est bon, on vous entend. OK. Bonsoir tout le monde. D'abord, je suis très enchanté de connaître les personnes que je ne connais pas. Je travaille sur l'opération Torche, je suis scénariste et je suis professeur de cinéma. Je fais justement un film sur l'opération Torche. J'ai eu de l'aide par le gouvernement israélien. Je retourne sur les paroles qu'a dit Galia. Je vous raconte une histoire personnelle qui m'a poussé à faire l'histoire, l'opération Torche. Quand je suis venu en Israël, je passais pendant la guerre des 6 jours. Avant mon départ, mon père m'a donné un petit livre de Tehillim. Et ce livre de Tehillim, il était très petit, mais j'étais étonné parce que c'était marqué imprimé en Angleterre, et c'était en français et en hébreu. Bon, ma curiosité était un petit peu... Je me demandais qu'est-ce que mon père, qui vivait en Algérie, je suis venu de France, et qu'est-ce qu'il faisait avec ce petit livre? Je n'ai pas fait attention. Il y a peut-être 5-6 ans après mon allié en Israël, il y a eu une réunion sur l'opération Torche. Et il y a justement un rocker, c'est-à-dire un chercheur qui a parlé. Et il parlait justement que les soldats juifs anglais ou américains venaient dans les communautés en Algérie. Et ils avaient décidé de donner un petit livre de cadeau parce qu'ils étaient sûrs qu'ils allaient être invités dans les familles juives pour pouvoir accepter dans leur famille. Donc, j'ai trouvé la solution de ce petit livre et j'étais très ému. C'est ça qui m'a beaucoup poussé à faire un film sur l'opération Torche parce que mon père m'a beaucoup parlé. Voilà, c'était pour raconter à Galia. Moi, je suis prêt à l'aider vu que je suis d'origine de Constantine et je suis très près de la communauté. Je voudrais bien l'aider de chercher cette famille. Je l'aiderai. Justement, j'organise bientôt un congrès des Juifs du Constantinois et ce sera l'occasion de parler de ça. Voilà. Galia, you understood what he said? Galia, are you there? Mm-hmm. You put not all of it, but I got some. Galia, you understood that he's from Constantine and he's going to try to help you. Okay. Yes, and yeah, thank you. Tada. Okay. And merci. Okay. OK. Encore des questions, s'il vous plaît, si vous avez. Yitzhak Kerem. Ouvrir le... On va l'ouvrir. Ouvrir le micro. Voilà. I pressed the hand thing by accident, but I think for Galia, she should consult our colleague, Dr. Yossi Sharvit, because he's the expert on Constantine and comes from a big family. And he used to have an annual Hilullah for his grandfather in Dimona. So he lives in Jerusalem now. He teaches at Bar Ilan. So I think you should contact him. And he knows many people from Constantine. OK. Donc, en français, c'est encore une offre d'aide pour Constantine, pour Galia. de contacter le professeur Yossi Sharvit. Je l'aiderai, je le connais, puis il fait partie de notre association. J'aiderai Galia pour ça. D'accord. Et je voudrais juste rajouter une petite histoire qui est dans le texte de Galia, qui est mignonne, c'est que les soldats américains, ils ont voulu donner des bonbons aux enfants, mais comme ce n'était pas cachère, les enfants ont refusé. Mais après, ils ont laissé beaucoup de cigarettes, pour qu'ils savaient que les adultes allaient prendre les cigarettes. Voilà. OK. Bon, s'il n'y a pas de questions, je crois que tu peux continuer avec les impressions de la visite en Algérie, s'il vous plaît. On a encore une question. Ah, encore, pardon. Robin, s'il vous plaît. Ouvrez, lui. Ouais. Salut Nicole, comment ça? Ouais. Les amis, je vous dérange 2 petites minutes. J'ai une question. Est-ce que les Américains, quand ils sont allés en Algérie et qu'ils ont eu connaissance des Juifs algériens, est-ce que ils avaient le même regard que les Français avaient à cette époque? Est-ce que c'était un regard négatif ou c'était un regard plus nuancé ou tout autre chose? Tu veux dire les Américains en général? Oui, parce qu'on sait très bien que les Français avaient un regard négatif sur les Juifs algériens. Alors, est-ce que les Américains avaient le même regard? Ben, non, puisqu'il y avait des Juifs parmi les Américains. Oui, mais c'est pour ça que je pose la question. Non, il n'y avait pas de... Non, je crois que je n'ai lu nulle part de situation. Autant j'ai lu des trucs où les jeunes Américains, ils étaient tous... Nicole, moi, ma question, c'était... Je sais qu'il y avait des Juifs américains, des Juifs français. La question que je me pose, c'est est-ce que, comme les Français avaient ce regard négatif parce qu'ils parlaient de mission civilisatrice. Mais d'abord, c'est pas les Français, il y a des Français qui avaient, il y avait des Français, il y avait les Français de Vichy, il y avait des Français. Tous les Français n'étaient pas antisémites. J'entends par les Français juifs, pas les Français au sens résistant, vichichistes ou toute autre chose. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que, comme le père de Galia était juif d'Ukraine, est-ce que, je veux dire, quel regard avait le père sur ces Juifs-là? Est-ce qu'il avait un regard comme les Français? Est-ce que qui avait quel regard sur lui? Je veux dire, quel regard le père de Galia avait sur les Juifs algériens? Est-ce que c'était un regard... méprisant, tu veux dire? De quoi? Non, pas du tout. Okay. C'est pour ça que je pose il n'avait pas dit... Non, il a dans tout ce que j'ai lu de... Non. Il était émerveillé par ces gens-là, en fait. Et ces gens-là, il accueillait à mains ouvertes et il était émerveillé. Ah, voilà. Bah, c'est magnifique, ça, écoute. Voilà, c'est tout. C'est ça que tu veux dire, c'est de juif à juif. C'est la question que je pose. Tu n'avais pas bien expliqué. Hein. Bon. Ah, bah, c'est pour ça que j'ai repris. T'inquiète, Nicole. OK, d'accord. OK, merci, Robin. T'inquiète, Nicole. Merci, Robin. Merci. Marc Rotzelichol, Sandra. OK. Une minute, Marc. C'est qui, Marc? On va vous ouvrir. Voilà. On vous entend? Pas encore. 2 secondes. Pourquoi ça ne marche pas? Je pense que ça prend juste un petit peu de temps. Voilà, Marc. Ça marche? Non, toujours pas. On vous entend. Allez. Attendez. Moi, je vous entends, mais… Oui, Marc. On t'entend, Marc. On t'entend. Vas-y. C'est bon, ça marche. Oui. En parlant avec mes cousines, j'ai découvert aussi que au moment du débarquement de Torche à Casablanca, il y avait effectivement pas mal de soldats qui étaient des soldats qui étaient juifs et qui étaient justement aussi invités dans la famille. Et d'ailleurs, je raconterai les anecdotes là-dessus après, y compris quelques drames familiaux. Bon, et également, pour ceux qui ont débarqué à Safi, j'ai une interview de celui qui a été le président de la communauté de Safi par la suite, et qui m'a raconté effectivement qu'il y avait... pas mal de soldats qui ont débarqué dans l'opération Torche à Safi et qui étaient des Juifs. Je raconterai le détail plus tard, là on est trop pressé. Alors en fait, je veux dire qu'il y avait beaucoup de familles qui ont recueilli des soldats américains, juifs ou non-juifs, et pas seulement pour les fêtes juives. Oui, donc, oui. Ils étaient accueillis, ils restaient longtemps. Ils ont resté longtemps dans certaines familles. Hein. Pas si longtemps que ça, parce que justement, par exemple, à Safi, ils ne sont restés qu'une semaine. Hein. Ouais. Et bon, pour le reste, effectivement, c'était très bien d'avoir des soldats juifs à la maison pour cause. Je veux dire, la reconnaissance était, la gratitude était grande. Bon, et puis pour les filles, quand elles étaient grandes, c'était également quelque chose de très séduisant. Mmh. Alors, Galia, finalement, les gens ont beaucoup de choses par rapport à toi. Moi, je n'ai aucune question. C'est pas possible, je n'y crois pas. Ou alors, c'est le manque d'intérêt de ce que j'ai dit, mais je ne pense pas que c'était tout clair, hein, quand même. Bon. Peut-être tu peux continuer avec les impressions de l'Algérie. Ça peut être très intéressant. Alors, je vais faire l'Algérie. Alors, attends, parce qu'il me faut ma slide quand même, parce que j'ai mis une slide. Et pour faire ça, il faut que je bouge. Alors, là. Et que là, ne me bougez pas, il faut que je me mette ma slide. Et la dernière, enfin celle sur l'Algérie, il doit y avoir quelque chose pour me guider à moi. Voilà. Voilà, l'Algérie. Alors, voilà mes impressions. Et je vais... ah non, mais je n'ai pas fait du screen sharing. Alors, attendez. Share screen. Voilà. Et voilà. Et voilà. Alors, tout d'abord, j'étais en Algérie depuis l'indépendance, en 1985 avec mon père. En 2017, dans le cadre, entre guillemets, du 8 novembre, on a été pendant une semaine, 10 jours, je crois, à Alger surtout. On a été à Tipasa, et tout. Et puis, en 2022, là, j'ai fait 3 semaines. Alors, donc, 85, c'est assez loin. Les choses étaient différentes, mais je peux comparer entre 2017 et 2022, mais c'est personnel. Hein. Moi, en 2017, je me souviens, on avait parmi nous Guy Sidbon, et qui on parlait dans la rue avec des jeunes, etc. Et lui, il parlait en arabe aussi. Donc, les jeunes, ça devenait une troupe autour de nous. Et puis, on commençait, tout le monde parlait. Et donc là, en gros, pour moi, c'était des jeunes qui étaient un peu désespérés. Ils voulaient tous partir. Voilà. Et même, je me souviens, dans les toilettes des femmes à l'aéroport, sur la porte à l'intérieur, il y a marqué « Je veux aller au Canada, je veux aller au Japon ». Enfin, c'était vraiment le plus loin possible, voilà. Et puis là, en 2022, moi, j'ai trouvé les choses différentes. Je trouve que les gens sont plus là, sont plus présents, ils sont plus… ils ont un avenir, ils ont leur niveau de vie. Je trouve que c'est de la classe moyenne pour la plupart. Les seuls gens pauvres que j'ai vus, c'est des femmes avec des enfants à Alger dans la rue. Et c'était des femmes qui avaient été jetées par leur mari, c'est évident. Des jeunes femmes, pour la plupart. Voilà. Et je n'ai pas vu d'hommes pauvres. Je n'ai pas vu de... Voilà, j'ai pas vu de... Voilà. Sinon, à l'intérieur des terres, j'ai vu des petits-enfants, mais ça, c'était des Maliens. Et ils n'étaient pas vraiment pauvres, enfin, ils étaient bien nourris, ils avaient l'air bien nourris. J'ai compris que les gens autour leur donnaient à manger, les aidaient, les Algériens les aidaient. Et mais enfin, les pauvres enfants n'allaient pas à l'école, alors qu'ils avaient l'air totalement brillants, ces enfants. C'était vraiment dommage. Voilà. Alors ça, c'est pour leur niveau de vie. Voilà, je peux vous dire que donc rester en Algérie, je trouve que maintenant, ils restent plus en Algérie. Bien que ce n'est pas le rêve de tout le monde non plus. Hein. Il y en a un, de temps à autre, j'ai pris le taxi une fois, il y a un type qui me dit « Oui, moi, je me suis mariée il y a 2 mois avec une Française. » Enfin, c'était une Maghrébine, mais qui était en France, qui était française. Elle me dit « Elle est greffière. » Je dis « C'est bien. » Et je lui dis « Bon, il me dit « Oui, je vais acheter une Peugeot 2022, ceci, cela, hybride, nanana. » Il me sortait des chiffres là. Et puis, je lui dis, mais attendez, vous avez quel âge? Il me dit 25 ans. Je dis, non, non. Et puis alors, il me dit surtout, il me dit, je vais acheter cette voiture, je vais revenir ici et je vais amener ma voiture avec moi pour la montrer. Alors, je dis, mais attendez, vous auriez 18 ans, ça va, je comprends le bling-bling. Mais le bling-bling, à 25 ans, c'est fini. Puis je dis, mais attendez, vous avez quoi comme diplôme? Alors, il a un master de ceci, un master de cela. Donc, c'est un type diplômé. Et je lui dis, mais vous, quand vous allez en France, vous allez continuer vos études, vous allez travailler et faire comme tout le monde. Et je lui dis, alors, l'histoire de la voiture, vous descendez la voiture, déjà, vous la conduisez jusqu'à Marseille. Ensuite, vous prenez le bateau, payez tout ça. Ensuite, vous arrivez là. Et tout le monde se fout de votre gueule parce que c'est une voiture hybride et qu'en Algérie, l'essence, elle est gratuite. Une voiture hybride, ça ne sert à rien. Donc, franchement, non, non, non. Alors, on a fait un bout de chemin ensemble. Puis, je dis à la fin, alors, quelles sont les 3 leçons? Donc, vous continuez à faire les études, on arrête le bling-bling, enfin, etc., etc. Bon, voilà, je crois que je l'ai convaincu. Mais voilà, c'était un dans le truc. Mais tout le reste, j'ai vu, quand j'étais dans les hôtels, j'étais dans des hôtels Ibis, j'ai aussi dans un petit hôtel Ibiris, j'ai dans d'autres hôtels. Et quand j'étais dans les hôtels, j'ai trouvé que les jeunes, c'était des jeunes qui tenaient l'accueil, qui tenaient le restaurant, mais très professionnels. Mais je n'ai pas vu des gens aussi professionnels que ça ailleurs dans tout le monde, alors que moi, j'ai été dans pas mal d'endroits. Donc, j'étais impressionnée, mais totalement impressionnée. Et ce n'est pas qu'un seul endroit, c'est un autre endroit et un autre endroit. Donc, je dis, voilà. Et ces jeunes, ils sont là parce qu'ils veulent, ils aiment leur métier et ils savent qu'ils vont monter, qu'ils vont monter en grade, qu'ils vont avancer. Voilà. Donc, je les sentais très dans l'optimisme, dans l'avancement, dans le professionnalisme, etc. Donc, moi, ça m'a réchauffé le cœur. Et une autre chose, par exemple, il y en a un qui était dans une petite ville à Périgueux, il avait son taxi, qui était chauffeur de taxi, pareil, j'ai pris des taxis quand même, pas mal, et il avait non seulement été propriétaire de sa propre voiture, mais il avait un médaillon de taxi. Alors, il n'y avait que 10 médaillons dans la ville, il avait un médaillon de taxi depuis 3 ans. Il avait 35 ans, donc depuis 3 ans déjà, il avait un médaillon. C'est bravo. En plus, il avait son appartement à lui, propriétaire de son appartement, au 5e étage sans ascenseur, mais un immeuble dans la nouvelle ville de Périgueux. J'étais dans son appartement, franchement, très bien. Et puis, avec une grande terrasse qui donnait une partie sur l'autre immeuble et une partie sur la montagne. Bon, voilà, ce type-là, pour moi, il a réussi. Et je lui ai dit, chapeau, je lui ai dit vraiment... continue, tu es sur le bon chemin, continue. Et alors, pour donner un petit peu les retours, c'est qu'il m'a envoyé un petit SMS. Quand je lui ai dit ça, il m'a envoyé un SMS, il m'a dit, prends soin de toi. Mais la façon dont il a écrit, c'est PRON, prends, soin, SOIN, je ne sais pas comment, de, je ne sais plus comment, et toi, TWA. Mais c'était d'un émouvant, ce SMS, c'était incroyable, voilà. Et c'était vraiment, voilà, des choses comme ça, ce n'est que ça, que ça, que ça. Alors, générosité, 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 j'ai des histoires à n'en plus parler. Je pense, peut-être que je suis bias, mais je pense qu'ils sont plus généreux qu'au Maroc et qu'en Tunisie, voilà. Mais je ne sais pas, hein, il faudrait avoir, mais je pense. Parce qu'en Maroc, il y a beaucoup trop de tourisme. Maintenant, voilà. Et en Tunisie, c'est un petit peu plus froid, je pense, d'après ce que j'entends à droite, à gauche. Mais enfin, bon, voilà. En tout cas, je vous donne un petit exemple de situation du Petit Prince de Saint-Exupéry. Je me retrouve à Miliana dans une… On a cherché le cimetière juif. Alors, on n'a pas trouvé celui que je voulais, où il y avait mon grand-père, que je connaissais bien, mais on ne l'a pas trouvé. Puis, on a trouvé un vieux cimetière juif qui n'était pas du tout fermé, en pente, avec des tombes, bon, un peu à moitié cassées, mais pas toutes. Et puis, surtout, c'était en pente, mais c'était vraiment dangereux de descendre là. Moi, je m'accrochais avec la personne qui était avec moi, hein, j'avais peur. Et puis, à côté, une petite fille qui sautait, mais elle sautillait comme les petites chèvres qui sautillent la montagne, comme ça, autour de nous. Alors, elle savait très bien monter, descendre cette montagne-là que je n'arrivais pas. Et elle tournait autour de nous, et puis Et puis, tout d'un coup, elle disparaît. Puis, elle réapparaît avec une assiette et des crêpes berbères au miel pour nous. Voilà. Donc, on est là. Waouh. Alors, moi, je dis, mais il faut qu'on lui rende son assiette. Donc, on retourne les crêpes. On avait plein de miel. Et on lui rend son assiette. Elle repart et on mange ces crêpes délicieuses. Et puis, un peu plus tard, elle revient avec une grande bouteille d'eau. On se rince les mains. On boit de l'eau. Et puis... après, on part. Et puis, bon, on a vu qu'elle habitait pas très loin du cimetière. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des choses extraordinaires. Cette petite fille que je vais avoir, je sais pas, 9, 10 ans, même pas. Elle a intériorisé un truc. Elle est allée voir sa mère, la générosité de l'enfant, la générosité de la mère. On repart l'enfant. Enfin, c'était vraiment incroyable. Après... une autre fois, j'étais à Miliana, mais pas au cimetière. Donc, dans la ville, on cherchait ma cousine qui avait habité Miliana et qui était à Los Angeles. Donc, c'était le milieu de la nuit. Je lui avais dit, écoute, je te réveille au milieu de la nuit parce que moi, je serai dans la journée, puis tu nous guideras. Donc, à un moment, j'étais avec elle en WhatsApp vidéo et puis on posait des questions. En général, je pose des questions à des gens d'un certain âge. Parce que je sais qu'ils parleront français et qu'ils sauront où se trouvent les choses qu'on recherche d'avant, les choses d'avant. Et donc on a un vieux monsieur, on lui pose la question, et puis il dit oui, puis etc. Et alors, viennent s'agglutiner d'autres vieux monsieur, et chacun y est de dire oui, c'est là, et c'est là, et ceci, et cela, etc. Et il nous en rajoute. Et je lui dis à ma cousine, je filme ces messieurs, je lui dis, mais regarde, tu as 5 messieurs qui sont là, pour nous aider à trouver où était la villa de ton père. Voilà. Et on est allés, ils sont allés avec nous, ils ont dit, voilà, on va vous montrer, etc. Enfin bref, ça n'était que ça, sans arrêt, voilà. Alors, il y a eu, tout n'est jamais parfait, hein, partout, il y a toujours un petit hic quelque part. Mais je dois dire, par exemple, à Tlemcen, la mairie de Tlemcen, mais ils se sont pliés, pas en 4, en 8, mais en je ne sais pas combien, pour... je suis arrivée à Tlemcen en fin d'après-midi. Je suis allée, donc tout de suite, j'ai pris un taxi, je suis allée au cimetière. Le gardien m'a dit non, madame, il faut un permis de la mairie. Donc, je vais prendre un taxi. J'arrive à la mairie à 4h15. Je demande à la secrétaire, etc. Elle rappelle le vice-président qui était déjà parti. Il revient pour signer le papier. On fait plein de personnes qui doivent signer le papier, mais enfin, ça y est, j'ai mon truc. Alors qu'au départ, il m'avait dit, madame, c'est pas comme ça que ça se fait. Vous faites la demande par écrit et après, nous, on vous donne l'autorisation. Enfin, c'est au moins 24 heures, quoi. Et je dis, mais oui, mais moi, demain, je serai partie. Je pars demain en milieu de journée. Donc, ils se sont pliés. Ils m'ont fait tout ce qu'il fallait faire. Après, il y a eu il fallait la sécurité. Si la sécurité vient... et puis il me dit non mais de toute façon vous n'avez pas l'autorisation pour on va devant le cimetière. Il me dit c'est pas le bon cimetière, on n'avait pas l'autorisation pour le bon cimetière parce que ça c'était le cimetière du Raham, donc du cimetière du rabbin Ankawa et il y a le cimetière des juifs, des autres juifs. Alors là il n'y avait que le rabbin Ankawa et ses enfants dans ce cimetière là et donc j'avais pas l'autorisation pour celui-là, j'avais l'autorisation pour l'autre. Je dis bon très bien on va à l'autre. Elle me dit ah, non pas aujourd'hui, demain, Nicole, je dis, nous avons encore deux minutes, s'il vous plaît. Alors, bon, voilà, donc je parlais donc de niveau de vie, de rester en Algérie, professionnalisme. Et l'autre chose, c'est un ami qui m'a dit que Tebboune, alors là, c'est lui qui est effectivement une personne assez optimiste, parce que quand on lit les trucs en France, c'est très négatif, c'est très par rapport à Tebboune. Mais il m'a dit que Tebboune était en train de faire du nettoyage dans l'armée, c'est-à-dire qu'il envoie les généraux à la retraite plus tôt, et puis il est en train d'essayer de renouveler son armée. Donc, je pense qu'il y a des choses positives, et le reste, ce sera pour une autre fois. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur quoi que ce soit? Je crois qu'Ariel voudrait bien dire quelque chose. Sandra, est-ce que tu peux ouvrir, Ariel? Oui, je vous donne la parole. Ah, c'est qui ça? C'est pas Ariel. Ariel Caracente. Oui. Alors, Ariel? Vous avez... Ariel, vous pouvez parler? Ariel, vous avez la parole. Il ne peut pas parler, il faut ouvrir. Ariel. Ariel ou Esther? Esther Caracenti. Esther? Esther? Non, alors. Il faut ouvrir encore une fois, Sandra, s'il vous plaît. Il faut leur ouvrir le micro. Non, marche. Il faut... Stop sharing. Est-ce que... Voilà. Vous m'entendez maintenant? Oui, oui. Allez-y. Voilà, voilà, c'est ça. Juste deux petits témoignages. Le premier, c'est que bon, ils ont débarqué à Casablanca, parce que pour nous, le débarquement a été fait donc à Casablanca. Donc il y avait ce fameux obus qui était tombé sur la maison de mon arrière-grand-père, mais grâce à Dieu, il n'a pas explosé. Et après, mon père est allé habiter ailleurs, mais ils ont, comme on dit, les soldats ou les officiers étaient, comment on appelle ça, logés chez l'habitant. Et donc, mon père avait plusieurs officiers d'armée, et lui ne m'a jamais raconté ça, mais j'ai rencontré des amis qui m'avaient dit que, tu sais, le samedi, quand bon, j'imagine que mon père, qui était aussi bon cuisinier, les invitait à passer à table, là, par le fait d'habiter là-bas, et il m'a dit « Personne n'a jamais fumé devant ton père le samedi ». Ça, c'est la première des choses que j'ai appris de ça, le respect qu'ils avaient. La deuxième chose, c'est vrai qu'il y a eu aussi des mariages avec des officiers, comme par exemple la cousine germaine de mon père, qui repose un peu maintenant, Hélène Benazeraf. Eh bien, elle a épousé donc le capitaine Edouard Toledano, qui était à l'état-major, et donc il y a eu aussi des mariages, j'ai même une cousine aussi, donc son père... Denise, donc son père a épousé, non c'est elle qui a épousé, elle avait épousé un soldat américain je crois, ou quelque chose comme ça, il y a eu quelques, Gilbert, la famille c'était Gilbert, voilà, et donc ça se passait même à Casablanca, ou alors il y avait ces, comment on appelle ça, ces officiers ou ces soldats qui avaient. Ils avaient même un mess, le mess des officiers à Casablanca, qui était près de la rue Washington. Et donc, ils se sont construits là-bas un mini-golf. Ils avaient beaucoup de choses là-bas. Et je le sais parce que cette villa, n'est-ce pas, qui appartenait à quelqu'un de Marrakech. Et donc, cette villa, ensuite, s'est transformée en lycée Yeshiva. Mais il y avait toutes les installations qui avaient été refaites pour tous ces officiers de l'armée américaine. Voilà, c'est plus ou moins ce que je voulais. Il y a eu aussi, j'ai rencontré ici à Jérusalem quelqu'un qui est une personne âgée. Donc, je dis que j'étais en Afrique du Nord. Il m'a dit, moi, j'étais en Algérie. Et donc, le docteur Weiss. Et donc, ils sont arrivés donc, le 8 novembre. Et ensuite, ils sont passés d'Algérie en Provence. Donc, ils étaient à Marseille. Et au mois de septembre, ils sont allés rue de Breteuil. Ils sont allés voir la synagogue, bien sûr, pour la nettoyer, la préparer pour la fête de Rosh Hashanah et Kippour. Et bien sûr, il n'y avait pas de porte, il n'y avait plus rien, il a fallu tout nettoyer. J'imagine qu'ils ont dû amener un Sefer Torah de l'armée américaine pour préparer les services. Donc, des grandes synagogues à Marseille, rue de Breteuil, pour les fêtes de Rosh Hashanah et Kippour. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ariel. Merci beaucoup, Nicole. Merci beaucoup, Galia. Merci. Sandra, et Nessia et Eldad, merci beaucoup à tout l'aide que vous avez fait pour réaliser cette soirée. Le prochain événement sera pour nous le 8 mai. On va faire l'anniversaire de 80 ans de la libération de la Tunisie. Et j'espère qu'on aura entre les deux encore un événement en Zoom ou quelque chose d'autre, je ne sais pas exactement encore. De toute façon, merci pour vous tous. Bonne soirée, un bon week-end. Haïm, oui? Juste une précision, j'ai mis dans le chat notre site internet, le site du Centre de documentation des Juifs d'Afrique du Nord et notre page Facebook en français. Les adresses sont dans le chat, donc vous pouvez les consulter. L'enregistrement sera disponible aussi sur ces deux liens. Ça a été enregistré. Ça a été enregistré. Oui, Nicole. Ça a été enregistré. Oui. Non, parce que j'avais peur, je ne voyais pas la barbe et je la vois. Merci beaucoup à vous tous. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.